Hey les amis, c'est Sacha, votre prof de yoga. Aujourd'hui, on se retrouve à la plage. Désolé si j'ai les yeux qui se ferment un petit peu avec la lumière. J'avais envie d'aborder le sujet de tout simplement comment se lever tôt. Je reçois beaucoup de demandes de votre part, d'interrogations. Quand je dis qu'au yoga, il faut se lever tôt et que je recommande que dans la vie en général, on se lève tôt, qu'on fasse du yoga ou pas. C'est un sujet qui revient beaucoup, une question qui revient beaucoup. Mais comment tu fais pour lever tôt? Pourquoi tu fais ça? T'es fou? Pourquoi tu te lèves tôt, même le week-end, quand tu es en jour off? Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a quelques questions auxquelles vous devez répondre. Et une fois ces questions répondues, vous saurez comment vous lever tôt. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est de savoir pourquoi on se lève tôt. Personnellement, si j'ai aucune raison pour me lever, je me lèverai pas. Il n'y a aucune raison de sortir de son lit, de sortir de sa zone de confort si vous ne savez pas pourquoi vous avez besoin de vous lever. Moi, je me lève, je sais pourquoi je me lève. Je me lève pour aller faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire aller dérouler mon tapis, faire du yoga. Voilà la raison pour laquelle je me lève. Ça peut être n'importe quelle raison. Moi, j'applique ça pour le yoga. Peut-être que vous ne faites même pas du yoga, vous êtes tombé sur cette chaîne un petit peu par hasard. Et le sujet, c'est pas qu'il faut se lever pour faire du yoga, mais il faut se lever pourquoi? Pourquoi on se lève? C'est votre pourquoi que vous devez trouver. C'est cette motivation qui vous permet de vous lever. Imaginez que la moyenne des gens se lève par exemple à 7h. Si vous vous levez tous les jours à 1h plus tôt, c'est-à-dire à 6h, et que ça vous laisse 1h tous les matins, imaginez que ça vous laisse déjà au minimum 7h dans la semaine, puisque si vous prenez ça le week-end et que vous ne travaillez pas, vous avez encore plus de temps. Mais imaginons 7h par semaine, ça nous fait déjà 30h et demie du coup à peu près par mois que vous avez gagné pour aller vers quelque chose que vous voulez faire. Ça peut être quelque chose de professionnel, lancer votre entreprise, ça peut être quelque chose de personnel, comme un loisir, peu importe, ça peut être vous balader, ça peut être faire du sport, prendre du bien pour votre santé, apprendre des choses sur un sujet, mais dans tous les cas, ça vous laisse un gap de temps énorme. Donc il faut juste savoir pourquoi je me lève tôt, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de me lever tôt, qu'est-ce qui fait que je vais me lever. C'est ce pourquoi qui va tout faire. Donc ça, c'est très très important. La première chose, c'est trouver son pourquoi on se lève tôt. Et la deuxième astuce de comment se lever tôt, c'est tout simplement apprendre à se coucher plus tôt. Ça paraît bête, mais en fait, c'est hyper important. On n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil. Mais simplement, si d'habitude, vous vous couchez à minuit et que vous levez à 7h et que là, vous voulez vous levez à 5h et vous couchez toujours à minuit, bah c'est sûr que vous allez être fatigué, du moins au début, parce que votre corps n'a pas l'habitude. Du coup, vous allez dire, c'est trop dur, je me lève. C'est pas possible que je me lève aussitôt. Du coup, c'est simplement l'habitude à prendre de se coucher un petit peu plus tôt. Pour ça, les astuces à faire, ça va être un petit peu d'enlever les écrans ou de mettre les filtres anti-lumière bleue. Ça va vraiment vous aider à vous endormir plus tôt. Donc ça, c'est hyper important. Si jamais c'est pas possible pour vous de se coucher plus tôt parce que vous avez peut-être pas envie, et ça, je peux le comprendre, moi, j'ai pas envie de forcément me coucher tôt, le truc hyper utile, c'est de faire des micro-siestes. Les micro-siestes, donc entre 5, 10, 15 minutes, ça va vraiment aider à votre récupération. Vous pouvez aussi faire du yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Je vous le mets directement en descriptif de la vidéo. Le yoga nidra, ça peut vraiment changer votre vie. Ça va vraiment donner, en plus de l'aspect méditatif, ça va vraiment vous aider, mais de malade en niveau énergétique. Donc je vous conseille vraiment de pratiquer le yoga nidra, ça va vraiment vous aider. Donc trouver son pourquoi, faire du yoga nidra ou des micro-siestes et se coucher plus tôt. Avec ces trois ingrédients, quatre ingrédients, vous allez vraiment vraiment réussir à vous lever bien plus tôt que d'habitude. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire, retrouvez tous les liens, les formations, les vidéos directement dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour rien louper. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Namasté.